2h30, 10h30 perso. Alors, si je peux me permettre, je pense que c'est impossible que tu dormes de 2h30 à 10h30. Il est actuellement 9h et tu es en train d'écrire. Donc soit tu as trouvé une manière de nous écrire en dormant, ce qui serait très très fort, soit ce n'est pas possible. Tu nous mens. Moi, quand je dis minuit 8h, au moins il est 9h. Et je suis là, quoi. Belle enclume. Ah, belle transi, dis donc. Oh! Ottimo! Ottimo! Oh! Yasuo. C'est juste Shogat qui sort, non? Est-ce qu'on veut l'upgrade Shogat? Non, bah oui. C'est jamais Baboum, hein. On avait pris Baboum une fois, mais... C'est pas en Orly, en tout cas. Ah, j'ai déjà une direction, en vrai, donc ça peut me griffe. Après, je peux avoir les items que je veux avec ce 4 cost, c'est ça qui est bien. Je peux peut-être le tester. Mais Tiny Pet Deadly, c'est vraiment pas mal. On est safe. Faut que je fasse un coup de scout. La coup de scout. Là, bon, on a que Yasuo 2. Et ça dépend si je vais faded. Ça dépend si je vais yonner. Là, j'ai une compo qui attaque et qui bouge vite. Donc, c'est plus yonner ou duelliste. Mais maintenant, je dois regarder. Bon, il n'y a pas l'un ou l'autre. Faut que je choisisse au moins un Titan, je pense. Alors. Bon, s'en fout. Yone. Enfin, Yone. Ah! Ok, on va viser une Titan quand même, je pense. Oh. Nice. Est-ce que je mets ça sur Yasuo et je le rebuild? Et alors ça, maintenant qu'on a Titan, qu'est-ce qu'il aime bien Volibear? BT, Hoge ou Yone? Qu'est-ce que Volibear et Yone partagent? Ouais, les deux ils aiment bien BT. J'ai pas de direction claire à part Titan BT là. Parce que du coup, il y a soit lui qui est en... Il a Deathblade. Deathblade, on est d'accord que c'est beaucoup plus... Tristana, non? Qu'est-ce qu'il fait avec Deathblade? Il a Volibear, il a Yasuo de bench. Ah, mais lui, il veut jouer Yone Reaper aussi. Oh, chier. Yone Evenly, pardon. Eh, merde. Ok, nice. Bah du coup, je crois qu'il y a un joueur de Yone. Et il a déjà trouvé Yone, donc c'est bien relou. Et lui, il a l'air de jouer Volibear. Donc je crois que je suis Ken dans les deux cas. Comment on fait quand on est Ken, hein? Oh! On est Ken, on joue Ours. Continuez à faire de l'écho, même si on a gagné. Je pense. Hein. Ouais, je pense que je dois jouer dueliste, hein. Y'a pas de magie. Ah, je pense pas qu'on ait 3 Yone avant Volibear. Je peux faire mieux, j'ai une paire, j'ai mon gars de rechange.
J'ai pas envie de push non plus. Ça a aucun intérêt de push. Alors, on revoit. Est-ce que lui, il nous fait chier? Lui, je vois qu'il y a du Yone qui attend là-bas. Ah, il a Kane! Oh, mais chatte! Oh, le gars a 4 Reaper Evenly comme ça? Putain, c'est vraiment délire. Kog'Maw. Après, j'ai dit des Ghostly. Hein. Dangereux, les gars, cette game. Très conteste. Parce qu'en plus, Volibear, Tristana, si tu les as pas niveau 3, je sais pas si ça peut tenir genre au level 8. Est-ce que je peux jouer Voli Tristana 2 avec Diana 2 et je vais au 8 pour trouver Irelia. Et on pose un truc ici, je sais pas quoi, mais. Wook. Est-ce que genre tu peux accepter avec tout level 2 d'avancer? Ah, c'est big. Tiens, moi ça me sauve un peu là, le fait de toucher naturellement. Parce que normalement, tu gagnes uniquement avec Voli Tristana. Mais genre vraiment uniquement. Et j'ai l'impression que le reroll est impossible donc. Qu'est-ce qu'on vise comme item ici, idéalement? Je regarde, ça n'a pas une autre dinguerie, parce que... En fait, on peut ne pas avoir notre bis. Ok, donc il faut un arc. Ça, c'est bon. Ok, bon, on se prend pas la tête. C'était au cas où on n'avait pas Titan, mais je pense que là, on va avoir un bel ours. Ensuite, on verra où il nous emmène. Pour l'instant, il y a Soho, je pense qu'il peut faire le taf jusqu'au stage 4. Hein. Il y avait quoi? Il y avait Gunblade, Runan, GS, Taskisphere qui était bien. Bon, il y a des bons champions ici. Alors, ça, j'aime bien parce que du coup, tous les champions qui n'ont pas d'item pourront shred. On rappelle que ça doit être disable. Il y a Rolling for Death, t'as 9 rolls qui traînent. Oh, pas mal ça aussi. Je crois que Silver Veil, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est un des meilleurs. Sinon, c'est quoi? Il y a Unified qui est mieux, il y a Armacist qui est mieux. Ah, Golden Remover est pas mal, mais. Là, c'est juste vente de Yasuo, donc. Il n'y a pas non plus de dinguerie. Golden Remover, ok, bon, bah, je gagne Yasuo 2, mais. Non, je pense que QSS pour Ours, c'est quand même pas mal. Hein. Au moins, tu tankes le premier CC. Tu peux continuer à stack paisiblement. Je pense qu'en mid late game c'est quand même cool. Sur un Nautilus ou un truc comme ça. Nice. Oh les persos sur Rikiki avec l'augment. Alors on revoit. Yone. Mais en fait, lui, il joue dueliste, mais je pense que je vais l'exploser à terme. Il a juste Volibear 2, mais moi, je vais pas jouer Volibear 3 dans cette game. Kog'Maw reroll, Yone, Lux, Ghostly, Sivir. Ah, je pense que notre plan est bon. Hein. Salut Kenshin, bienvenue à tous. Merci d'être présent déjà de bon matin. Il abuse juste d'avoir déjà Kane, hein. Franchement. Illégal Kane. Est-ce que c'est plus illégal que Yasuo? Je ne sais pas. Putain, Yasuo donne des ratios les 4 Reaper à Evel. Bah, quoi. On va faire QSS, cake. Oh! Boum boum. En fait, je suis faible. Hein. J'ai Tristana 1, Volibear 1. Cette game, elle jouait plus à l'écho que. Oh putain, pas le bon. Assassin! En fait, je jouais plus à l'écho de Mii que au HP. C'est clairement un push-diff. Ah, 10 rounds! Oh, fais chier, putain.
Il y rentre pas, non? Il peut rentrer temporairement. Hein. Rouh. Trouver trèche 2. Moi, j'ai pas failli d'aide. Je crois que je vais pas ionner dans cette game, hein, c'est acté. Qu'est-ce qu'on fait de Azir, hein? Azir avec Alun. Non. Bon, toi tu sers à rien. À la limite, si j'ai un faded, je peux peut-être garder Yasuo encore un petit peu, non? Ouais, elle sera bien que quand il y a Lee Sin. Bah, Azir, j'ai vraiment 0 gear, 0-0-0 pour lui. Et même après, j'ai envie de stuff Tristana donc. Oh! This is freedom. C'est moi, je pense que c'est un fast 8. Ça fait chier qu'elle soit là, elle. Comment je la rentre? Parce que j'ai pas Tristana 2, j'ai pas Volibear 2, c'est contest par. Faut que je trouve un item derrière Tristana. Ok. Et Aswisper. Après, on peut préparer une Irelia. Avec Runan. Ouais, je pense que ça va être ça. On va viser une Irelia, les gars. Irelia, c'est ma win condition. Pas mal, ça. Unified aussi. Combat caster. Après, Yulis, ils aiment bien attaquer vide. Donc, concrètement. Ok. Et bah, je vais peut-être faire Last Whisper du coup. Je repasse un coup de scout. Donc, Yone, Ghostly. Ah, il a pivot à Felios lui. Mais lui, il a pas pivot. Lee Sin, Volibear. Il a fait une bêtise, je crois. Il a Reforge, mais il a Reforge des artefacts. Il y a peu de chances que j'ai Irelia déjà, soyons honnêtes. Il faut toujours partir de ce principe-là. Il faut que je... En fait, il faut que je fasse top 4 dans cette game. J'ai bien compris que j'étais comtesse. Donc. Faut que je sois le plus fort à l'instant T. Putain, mais comment ça Qiyana elle fait 3k? Et du coup, il a perdu son Reforger à tout jamais, lui, on est d'accord, hein? Parce que ça, ça dit Reforging completed item turns them into random artifact. Mais il a Reforge des artifacts. Ah ouais, je pense. Il a trollé le cousin. Le problème de Duelist, c'est que t'es obligé de jouer en 6. Bon, c'est ok de perdre, on a encore Yasuo 2. Il m'en a hyper fort. Sacré unité quand même Yasuo, dis donc. C'est lequel déjà? C'était lui, il y a John Waite. Après il a Volibear 2, Tristana 1, Lee Sin, Qiyana 1. Pas non plus. Bon. Ah dommage que j'ai pas le Way. Le meilleur champion pour moi. Commencer à préparer des unités lège. Alors qu'est-ce qu'on pourrait rentrer ici? J'ai vraiment rien à rentrer. Il y a une Diana, il y a une Diana de 2 upgrades en vrai. Ça coûte pas très cher. Je peux faire le palier comme ça. 4-7. Bon, au moins un 80 PV. Ah, lui c'est quelque chose, hein, franchement. C'est vraiment quelque chose ce gars-là. Comment il fait pour être level 8 avec Kayn 2? Comme si moi j'avais eu Lee Sin 2 dans son spot. Il était pas plus riche que moi pourtant. Hello. Horde offers you. Chaîne 3 pour flop. Avec Kindred 3 Ghostly. Putain. Comment ça Kindred 3 Ghostly, attends? Attends, il a joué la reroll Kindred Faded en Ghostly? C'est délire. Mais même le risque. Hein. Oh, j'ai peur qu'à la seconde où on vend Yasuo, notre compo se dégringole comme jamais. Hein.
Parce que là, elle fonctionne très très bien, mais c'est parce qu'il est fort, parce qu'il fade, parce que... Et là, passer un Volibear 2, ça me terrifie, hein, je vous le dis. Est-ce que je roll, là? I don't know if I should roll, my friends. Et là, on va chercher Irelia et Wukong, je pense. Peut-être c'est Lissine qui aurait dû prendre le stuff dans ce cas-là. Alors, stuff Tristana d'abord. Ok, yeux. Alors maintenant, il y a le choix entre Gargoyle, QSS, Claw. Parce qu'il n'y a pas non plus méga de dégâts AP. Alors là, il y en avait un peu ici. Mais... Il y en a un peu. Ah, il y en a un peu quand même, il y en a un peu. Faut accepter que petit à petit je fasse ma transi. Parce que lui il est en train de quitter. Il est passé en Azir Horn et tout, il fait une transi de late game. Il veut dire Grand Sioux ? Qu'est-ce que je veux qu'il me grante ? Ouais, tac. Ah merde putain. Double Horn ? En fait, j'ai pas envie de le jouer, Horn. Pourquoi j'ai pas mon site duelliste ? Elle est où ? Oh ! Ah, attends. Chi, j'ai pas de break du coup. Claw. Et. Bah, elle va passer 3 elle, hein. Faut la stuff, je pense. Ouais, tant pis. Pas idéal, mais... Y'a Syndra encore ? Ah merde. Normalement on veut singe, hein. Ah ouais, c'est ça. Bon, on va voir Diana 3, Tristana 3... Là, il faut que j'accélère, je pense. Me faire un canne 2 hein. Heart is empty without empathy. Qui ça? Esso. Oh il joue pas. Bah Darius je le garde au cas où j'ai une spade Gully. Je pense qu'on se fout level 3. Ah c'est que Volibear est 2 quoi. Il a fait une belle transi lui quand même. Après bon il me griffe des Volibears mais... J'en ai pas à ce qu'il soit encore en vie si largement. Alwook le problème c'est que c'est un très bon level d'après mais j'ai pas d'item Tristana du coup. Je pense que je prends Wook. Hein. Wook est mieux que Rakan. Rakan c'est mon level d'après donc... Je sais pas quoi faire avec ce Volibear. J'aurais du stuff Lissine je pense les gars. Une petite bêtise. Est-ce que tu Nico L vu la complication de la game. Oh Tana Winter devant nos fesses. Moi, Volibear a joué un peu dans ce fight. A l'air de le faire. Ici, tant plus qu'il y a Suo. Oui et non. Bon, en soi, maintenant j'ai fini un peu le setup. Hein, d'ailleurs, il y a deux Wukong à trouver. Je pense que Rakan n'est pas méga nécessaire, mais.
C'est plus flippant, lui. Trop dommage. Oh, Cristanouille ! Cristanouille ! Oh non, putain. T'es arrivé en backline ? Une légende ? Nice ! Bien ça, c'est un bon massacre. Ça rassure les troupes. Tu vois, Rakan, au moins tu vas chercher plus vite le 9. Ouais, mais c'est un peu con parce que mon 9 c'est Rakan. Bon, là, ça dépend. En fait, ça dépend du nombre de vies que j'ai là. Oh ! Attends, il a vendu ? Ah, il a pas vendu. Sinon, j'ai cet axe là, hein, mais. Darius et Migesu, non ? Migesu, c'est plus un tank. Darius, il peut mettre au moins 2-3 d'auto-attaque et il crève. Item. J'ai très envie de roll Volibear 3 et Lee Sin 2, mais lui il les conteste. Peut-être que si Jaune meurt, au moins je peux y aller. Pas dire ça. Et là c'est item, bah il irait bien. Hein. Ok. Bel item. J'ai pas d'anti dans cette game. Ouais, je pense que c'est le moins pire. Hein. C'est-à-dire, parce qu'ils sont vraiment tous horribles. Hein. Faut pas avoir un bon item Irelia. Elle nous fait vraiment du bien cette USS hein, de Silver Veil. Hein. On attaque hyper vite et du coup on prend pas les CC. Donc on est en constant DPS. Là. Alors question un peu bête. Question un peu bête, je vais à Nico, mais est-ce qu'on récupère pas le stuff? Même si c'est Titan BT. Oh. Ah bah non, je mets ça sur Lee Sin. Oh, j'ai pas le temps. Je voulais faire tout. Hein. Même si c'est Titan, c'est un objet de front, ça donne quand même des bonnes stats à Irelia. Donc, j'espère que je le regrette pas. Bon, lui, c'est le plus fort, je pense. Oui, c'était un bon choix, ouais. Si j'avais 5 secondes de plus, j'aurais mis Titan BT sur Irelia. Oh. Oh non. Et ça tombe quand même vite, hein. Ça tombe quand même vite. Hein. On a deux clos, donc Kobo il a un peu plus de mal avec ma frontline. Ça tombe très très vite, les gars. Ah, il est en train de faire Tam 3, lui. Ça, c'est incroyablissime. Oh! Attends, il m'a laissé Rakan 2 GS, Irelia? Pour une spat? Ah, il a une spat tir ici. Ça va être chaud pour lui là. Peut-être mettre de Lee Sin devant en fait. On va changer un peu le positionnement. Quid du singe? Qu'est-ce qu'il a le singe? Singe, il sert que à un synergy bot dans cette game. Bon! Pourquoi les champions qui avaient disparu? Il faut pas que je sois devant l'Eternal Winter de Shogat. La seule manière que j'ai de perdre. Let's go! Allez, on enchaîne. C'est bien, go next, allez, direction Diamant Cake W, chut, n'a pas le time. Ok, je suis banni, merde. Bah vous avez vu, on a fait Last Whisper sur Tristana, parce que c'est un bon item pour elle. Et on s'est dit, ouais, mais c'est Irelia, elle a déjà Last Whisper. Balek. Toujours essayer de slam les items si on pense qu'ils sont bien, qu'ils correspondent bien à l'instant T. Et là, on a vraiment joué 3 games d'affilée, quoi. On a joué l'early, on a joué le mid, et on a joué le late game.